Bon, bonjour à tous, voilà, je vous fais voir une petite vidéo, donc ça va être un truc assez simple. C'est tout simplement pour récupérer, alors je vais te faire voir ça en image. Voilà, tout simplement, tu vois, moi j'ai les barrettes de tour de toit, donc sur Audi A4 B7, tu vois, qui se sont ternies. Donc là, ce que tu, comme tu peux le voir, toi, c'est carrément blanc. Et en fait, bah, j'utilise un produit qui est celui-ci. Donc c'est maille aluminium polish, donc c'est une pâte exprès pour pouvoir dégraisser et polisher en même temps tes barrettes. Donc là moi c'est du chrome, enfin de l'aluminium à l'origine qui est anodisé, donc automatiquement en passant le produit, bah, ça va nous donner un résultat qui va être brillant. Donc là j'ai passé de la pâte au doigt, je l'ai étalé tout simplement et je te fais voir ça en image ce que ça donne quand c'est poliché. Donc pour le coup, il va te falloir en fait bah, une Dremel avec un flexible, comme ça sera plus facile pour aller dans les petits angles. Donc tu vois, ça voilà, hop, on va essayer de faire une mise au point. Voilà, tu vois, c'est un système avec petit flexible, une petite mèche en coton qui est vendue avec, donc qui est doux, avec donc là tu vois, il y a de la pâte déjà que j'ai éventuellement mis dessus pour faire le test. Et là, on va passer directement sur cette partie-là, au bout de la machine. Allez, c'est parti. Et comme tu peux le voir, bon après, à part le bruit bien sûr, là, la pâte que j'ai mis juste avant, je polish, donc il faudra que je repasse plusieurs fois dessus. Sans trop appuyer, on va essayer de faire une petite délimitation. Voilà. Donc il n'y a rien à craindre. Hein. Puis, faut, par contre, il ne faut pas toucher plus, je vois, avec le bord de la machine, parce que sinon bah, tu vas brûler ou couper légèrement ton joint. Voilà. Et là, tu commences à voir l'effet chromé qui réapparaît. Donc c'est long, hein. C'est très très long. Allez. Voilà. Je vais prendre le chiffon. Voilà. Et là, on va passer un coup pour effacer le plus dur. Donc là, comme tu peux le voir, là, c'est avant. Enfin, avant. Ici qui est complètement terne, tout blanc, et là tu vois ça commence à reprendre sa couleur. Donc là je l'ai déjà fait sur celui qui est derrière, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là tu vois, regarde, on voit le reflet de mon doigt dedans, et plus ça avance, regarde, hop, à la fin on voit bien que c'est complètement terne. Donc faut s'armer de patience, et bah en fait ça permet de pouvoir récupérer toutes tes baguettes de toit. Là, je le vois, on va le voir un peu mieux. Là, avant, là, après. Donc, faut faire ça. Et puis, bah, après, tu récupères en fait tout le polish de tes baguettes. Bah, bon courage à vous. Si vous avez besoin, posez des questions, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Puis, je vous donnerai la référence des produits que j'ai trouvé. Allez, à bientôt.